On voit rien? On voit rien, t'es sûr? Ouais, ouais. Wesh! Oh là! Wesh, l'odeur, wesh! C'est dingue, ça sent ton cul, ça! Wouah! Wesh, tu pues, j'ai cul! Wesh! Vous venez, vous venez de boire du laxatif, tous les deux, et nous sommes enfermés dans cette pièce. Effet entre 20 et 30 minutes. Oh non, effet dans 5 minutes, j'en ai mis 3. Oh putain. Oh. Oh. Je crois qu'ils ont rien à faire. C'est pour ça qu'il blabla, j'mets la vodka dans le verre. Ce soir j'finis rabat, à l'ancienne ça recalé. Maintenant Kachi faut parler, j'veux pas trop m'étaler. J'te fais danser, couper, décaler. J'me levais tôt, j'coupais, j'détaillais. J'la vendais au paillot. Elle a le regard Kalachnikov. Elle sait pas comment j'la love. Elle a que mon blaze au bout des lèvres. Au charbon juste pour des loves. J'deviens parano, tu m'amènes des gens. J'te dis c'est qui ça. Rouek le mythomane. Ça y est, maintenant c'est comme ça. Ah, je te jure, t'es un putain de mythomane. Allez, regarde, lui l'honnête. Mmh. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai emmené Kenny à Fréjus. Mmh. Je suis revenu. Ok, d'ailleurs, il nous a fait une action de dingue aujourd'hui. Il a déposé Kenny à Fréjus, mmh. Donc, qui a à peu près une heure de route. Il a déposé. Et pour éviter les péages au retour, il a fait Fréjus-Nice en bord de mer. C'est peut-être 2h30, 3h de route. Pour économiser combien? 8 euros. 8 euros de payage. Mais il a claqué plus en essence qu'en payage en fait. Mais le pire, c'est que si tu m'avais dit, je t'aurais même prêté ma carte. Pour... Je savais pas que ça. T'avais pas envie de claquer 8 euros de payage. Non, et puis ça m'a baladé en même temps. Ouais. 50 euros de pute, 150 euros de pute, ça va. Mais 8 euros de payage, non, pas possible. Faut économiser. Les gars, faut économiser pour les putes. Hein. Quel génie incompris. Mais les gars, je vous jure que c'est pas comme si ça rajoutait 10 minutes ou 20 minutes. Je vous jure, ça rajoute une heure dans le trajet, un truc comme ça. Fait par genre ici, tu connais, tu sais même pas. De quoi? T'es déjà allé à Fréjus en voiture? Bah, en voiture, j'étais jusqu'à Aix. Ouais, mais est-ce que t'as déjà fait Fréjus-Nice bord de mer? Non. Et pourquoi tu dis oui? Parce que je m'en doute. Ah, tu t'en doutes? Ça doit être ça, et sans doute. Ouais, l'autoroute est deux fois plus rapide qu'une route normale. Ouais, ça c'est une logique. Tu voulais être routier d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Je la claque. Pas maintenant, là j'attends sa fine. Après, bord de mer c'est stylé. Non, mais il y a bord de mer et bord de mer, les frères. Ça y est, frère. Tu peux faire. T'arrives à Nice, tu sors à Nice, tu prends la promenade des Anglais, tu fais 15 minutes. De bord de mer, ça y est, c'est cool. Mais là, on parle de... Wesh. Là, ça finit, il arrive. Owen fait un test de pureté à coup d'eau. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Il est d'ailleurs, il est pas très pur. Ouais, enculé. Bonjour, seigneur. Merci. Non. Voilà, c'est le moment. Bonjour, seigneur. Non. C'est les routes, là, de ça. La route de la merde. Vous m'avez demandé... C'est quoi, Galité? Oui. M'avait demandé de mettre la 206 plus sur les jantes. Ça tombe bien, ouais, elle est sur les jantes. Elle est sur les jantes. Bon, reste en PS. Il reste plus rien. Ok. Vous pouvez me mettre les pneus sur le côté. Là, derrière, ouais, derrière, je veux pas les voir, merci. Merci. Ok. Vraiment des enfants. C'est bien, on est d'accord, vous êtes pas trempé de voiture, c'est bien la 206 plus qui est galère. Le fromage. D'accord, elle est sur les jantes. Sur les jantes. Non, sur les plus de jantes carrément, parce que les jantes elles sont là. Sur les disques. Sur les disques. Super. Il n'y a plus ton véhicule devant, on l'a emmené. Merci. Comme un APS sur les jantes. On va enlever les chaises, on arrive. Vas-y. Merci. Non, reste ici, pourquoi pas. On enlève le volant. Ouais, enlevez tout. Oh, je laisse rien. Rien. Très bien. Je fais une vidange? Non. Assieds-toi, faut... Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis très en colère. Ouais. Viens, tu vas leur dire à combien tu roulais tout à l'heure sur l'autoroute. Allez, viens. C'est pour ton bien, c'est pour ta vie que je fais ça. Viens, mets-toi au milieu. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure au payage? Oui, j'ai fait la course avec une Ferrari. mais c'est...
Mais c'est dingue! Il a fait une course avec une Ferrari! Il a une 206 plus! Non mais, les gars, à combien tu roulais? 170 sur l'autoroute. Et tu peux nous expliquer comment elle s'est passée la course avec la Ferrari? Il m'a doublé, je l'ai doublé, il m'a doublé, je l'ai doublé. Seigneur, ouais. Seigneur Owen, ça va mettre un peu de temps, si vous me permettez. Ah, oh. Mais il reste rien du tout dans le véhicule. Hein. Allez, vas-y, prenez votre temps. Vraiment, vierge. 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 On la retape, on la retape. On reste là que la carrosserie. C'est bon. Du coup, il a fait une course avec une Ferrari à 170 sur l'autoroute. Oui. Owen, t'arrives à griller tous les mensonges. Non, il est venu me voir tout à l'heure fièrement. Il m'a dit, tout à l'heure, j'ai fait une course avec une Ferrari. C'est fou. Est-ce que vous avez déjà vu sa voiture? 206 plus décata pour qu'elle fasse plus de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles plus. Rien. Mais t'énerve pas, contrôle-toi. Ça fait partie des étapes. Contrôle-toi. Ça fait partie des étapes. T'imagines que c'est. Regardez ces jantes, on les voit même pas tellement qu'elles sont rouillées. Regarde. Tu vois? T'as fait une course avec une Ferrari avec ça? Regardez l'état des jantes. Pourquoi elles sont rouillées comme ça d'ailleurs? Hein? J'en sais rien. Koto Fast and Furious. Koto Furious. Fast and Koto Furious. Pas mal, elle est pas mal. Il est inconscient. Oui, non, par contre, notre homme, je te le dis une dernière fois, Koudou, parce que je peux pas te le dire à chaque fois. Tu ne peux pas rouler à 170. Tu ne peux pas rouler à fond. Regarde-moi. Je te jure, un jour, tu vas faire un pet. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Ça va vite. Les gars, ça va vite sur la route. D'ailleurs, faites attention. Tout le monde doit faire attention. Lui, tu sais qu'il a un passif. Une Twingo. À Metz. 46 tonneaux. Si, tout le monde s'en souvient. Les gars, tout le monde s'en souvient. Hein. Pas besoin de le rappeler. La Twingo, 46 tonneaux. Si, il était un peu bourré, il avait un peu picolé. Si. Vous savez de quoi je parle. Hein? Si. Et je vais appeler ta mère et ton père, ils vont nous dire la vérité. Hein, on s'en souvient des tonneaux. Donc les gars, attention sur la route, c'est pas un jeu. Ouais, depuis tout à l'heure, ça te fait rire, toi. Ça te fait rire. Bah non, ça fait pas rire. Ça te fait rire. Au lieu de lui faire la morale, de lui dire, faut pas que tu roules vite. Vas-y, rentre. Il a 39 ans. Et alors? T'en as bien 45 et je te fais bien la morale tous les jours. Il a dit oui. Non, mais oui. Rapproche-toi. Il se soucie pas de son permis? Non, je crois qu'ils sont pas les couilles. Là, la perte d'un permis, ça va très vite. Hein. Je crois qu'il s'en bat les couilles. Je suis pas sûr. Donc maintenant, toi, tu vas lui faire une leçon comme quoi il faut pas rouler vite. Maintenant. Koudou. Ça sert à rien de prendre de la vitesse. Ça sert à rien de rouler vite. Un jour, tu vas te cracher. Tu vas avoir les deux yeux pour pleurer. Et au bout du bois, éviter de tuer quelqu'un. Parce que ça peut te coûter très 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 cher la vitesse. Ça peut coûter très cher. Il y a certaines personnes qui sont à l'hôpital qui s'en souviennent encore. Ils sont paralysés, ils n'ont plus de jambes. Voilà. Ils sont dans une catastrophique. Et pourtant, ce n'est pas eux qui faisaient la vitesse. C'est quelqu'un qui venait derrière eux les tamponner. Tu vas faire quoi le jour que ça va t'arriver? Non, sérieux, il va faire quoi le jour que ça va lui arriver? Pourquoi tu rigoles? C'est véridique! Pas lui, il rigole, ça le fait rire. Continue, faut qu'il comprenne. Y a pas oui, non, mais t'as raison. Ou le jour que les flics, que t'auras fait, 170 sur l'autoroute, mais qu'il y a la voiture dans la gendarmerie qui sera derrière toi, et qui va dire, bah, monsieur, votre permis, vous me le donnez, vous l'avez plus pendant 6 mois, tu rentres comment? C'est ça? Tu rentres comment? C'est... On sera obligé de venir te chercher. Voilà. C'est une question de... C'est réglementé la vitesse. C'est 110, tu rentres, tu roules à 110. C'est 90, tu roules à 90. Voilà. C'est tout. C'est une question de logique. D'accord. Et maintenant, je peux poser une question. Pourquoi tu roules à fond la dernière fois ici? Tu veux que je t'encule?
Tu m'as dit. Je t'ai dit engueulé. Mais toi aussi, tu roules vite comme un truc. Maintenant, je fais quoi maintenant? Je roule doucement. Tu crois qu'on me dit pas les gens à chaque fois? Ouais, j'ai vu JP passer en smart à 2000 et tout. Ah oui, la dernière fois, oui, j'ai roulé vite. Non, moi, les gars, ce qui me fait rire, je vous jure, ce qui m'a fumé de rire, c'est que à chaque fois que je tournais la tête, il était comme ça. Ils sont bas. Non, t'as écouté ce qu'il t'a dit? Oui. T'as compris? T'as compris, mais... T'es sûr? Oui, qu'il faut pas que je roule vite. Ok, d'accord. Il a gagné une ceinture, il se croit tout permis. Ah les gars, dis-leur, c'est la vida loca quand tu gagnes un combat, deux combats, t'es en 2-0, t'as une ceinture. Les putes, la drogue, l'alcool, l'argent. N'importe quoi. Ça monte à la tête. Un peu. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, on a enlevé les roues de ta voiture. C'est pour que sans roues, tu peux plus rouler vite. Tu vois? Sans roue, tu peux pas rouler vite. T'es d'accord avec moi? Sans roue? Tu roules pas. Exactement. Donc là? Je roule pas. D'accord. Donc. Ah oui, bah la question que tout le monde se pose, bien évidemment. La Ferrari, tu l'as gagnée ou pas? Non. Non, il a pas gagné la Ferrari, malheureusement. Il est arrivé un moment où. Ouais. T'étais un peu déçu? Non. Pour toi, c'est quoi? C'est le pilote qui fait la voiture ou c'est la voiture qui fait le pilote? T'as compris ce que je t'ai dit? Non? Je te répète. C'est le pilote qui fait la voiture ou c'est la voiture qui fait le pilote? Le pilote qui fait la voiture. Voilà. Ça veut dire que t'aurais pu gagner. Avec une merde comme ça? Ah, donc tu es en train de dire que c'est une merde. De quoi? Ta voiture. Bah, tant qu'elle me trimballe. Ça va. Ok. Tu rouleras plus vite. T'as fait la vidange? Non. Faut que je la fasse la semaine prochaine. Pourquoi il devait faire une vidange? Comment tu sais? Parce qu'il m'avait dit quand il est venu avec la voiture. Je l'avais dit. Ah ouais? Il faut que je la fasse la semaine prochaine. Tu veux que j'appelle Mario et il te l'a fait? Non, je vais en mettre le frère. Tu me dis, moi Mario il fait tout. T'enlèves les roues, t'enlèves tout. Non. Ok, sûr. Je me pose ce qu'il est en train de faire sur ma caisse là. D'accord. Ben maintenant, vu que lui, t'as fait une morale parce que tu roulais vite, et que lui, il roule vite, je veux que tu lui fasses une morale pour qu'il arrête de rouler vite. Mais j'ai pas besoin de faire de morale. Si, il faut que tu donnes des conseils. Vas-y. Tiens, je vais faire le conseil. J'ai pas besoin de faire le conseil, vu que les conseils. Oui, mais c'est pas grave. Tu peux faire des conseils et ne pas les appliquer. Moi, j'en donne plein des conseils que j'applique pas. Vas-y, c'est toujours bon, un conseil c'est toujours bon à prendre, un rappel. Un petit rappel pour lui dire que la vitesse c'est pas très cool. Vas-y, on t'écoute. Et parce que t'as une responsabilité, j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité. C'est que quand on est suivi par des milliers de personnes comme ça, faut pas le faire le con. On peut faire passer des messages. Oui. Tu comprends? On peut faire passer des messages à ces gens. Donc là, tu fais passer non seulement un message à JP, mais tu peux faire passer un message à toute la communauté. Il y a des jeunes qui viennent d'avoir le permis, qui roulent peut-être comme des enculés. Vas-y, on t'écoute plus. Plus proche, s'il te plaît, avec normal. Montre à tout le monde que tu sais bien t'exprimer. Faites pas comme moi, faites pas le con en voiture. La première voiture que j'ai eue, ça m'a pas servi de leçon. C'est vrai, t'avais fait un accident de Saxo? T'avais envoyé une saxo dans le mur, ça? Ouais. Ouais. La première, ça m'a pas servi de leçon, mais vous essayez de pas faire d'accident. Ah, et puis voilà. T'arrives pas à... J'arrive pas à m'exprimer. Comment ça se fait? Je sais pas. Moi, des fois, à l'époque, je trouvais que tu t'exprimais bien. Le track, peut-être? Le crack. Le crack, tu penses le crack? N'importe quoi. Toi, vas-y, fais-leur à eux. Tu l'as fait, fais-leur à eux. Bon, les gars, vous allez dire, la vitesse, c'est super. Oui, juste un jour que votre mère aura une visite d'un gendarme à 4h du matin pour vous dire que votre fils, vous le verrez plus. Est-ce que vous voulez que votre mère ait cette image? Non? Alors, ralentissez. Ralentissez, respectez les limitations de vitesse. Et si vous n'êtes pas capable un jour que vous avez été en soirée, que vous n'êtes pas capable de rentrer, soit tu rentres en taxi, tu vas récupérer ta voiture le lendemain,
ou soit bah, tu dors sur place. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous comprendrez qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé dans la vie, qui sont en chaise roulante en ce moment, dû à un mec qui a dit « je suis capable de rentrer, je rentre », mais il était bourré, il avait 2 grammes dans le sang. Voilà. Plaisir, applaudir. Tu parles bien des fois. D'accord. Oui. Des fois, tu fais des bons discours. C'est bien. Mais bah, tu sais quoi, ouais. Tu me fais la même pour la clope. Là, je vois que tu es dans un bon. Ouais, mais la clope. Ouais. La clope, c'est difficile. C'est pas un truc qui vont. C'est vrai que tout le monde fume. Il y a la plupart des gens qui fument. Et T'es jeune, tu vois, t'as ton pote qui fume. Et puis machinalement, bah, il te propose. Et toi, t'es trop con. Toi, dans ta tête, t'es trop con pour refuser. C'est vrai que t'es con. Je suis con. C'est vrai. Il est con. C'est vrai. Ceux qui fument, ils sont cons. Il n'y a que vient de dire t'es con. Non, mais je me suis dit, je suis con aussi. Oui, oui, je suis débile. Moi, j'ai commencé comme ça, la clope. À une pause. Bah, tiens, il y a une clope. Bah tiens, j'ai essayé. Oh, pff, ouais, ça. Waouh, ça. Waouh. Waouh, c'est cool. Waouh, je fume, c'est cool. Ouais. Oh, je suis un mec cool. Non, non, t'es pas un mec cool. T'es un abruti. Que le temps que toi tu fumes tes clopes, les gens qui fument pas, ben, ils ont une meilleure hygiène de vie. Ils peuvent faire plus de projets que toi. Parce que toi, ton projet que tu vas faire, c'est le seul projet que tu auras dans ta vie, c'est d'aller chercher un paquet de clopes. Parce que tu vois dans ton paquet de clopes qu'il t'en reste plus que 3 ou 2. Et tu auras ça dans ta tête tout le temps, les clopes, les clopes, les clopes, les clopes, les clopes. Même des fois, quand tu n'auras pas assez de sous, c'est véridique, au lieu de manger, ben, tu diras « Ah, putain, j'ai pas de clopes ». Toi, tu préféreras aller chercher tes clopes au lieu de manger. Voilà. Non, j'espère que vous aurez bien compris que la cigarette, c'est de la merde. Essayez du tout au possible de ne pas fumer. Et si vraiment vous voulez arrêter de fumer et que vous n'y arrivez pas, bah, faites-vous aider, quoi. Il y a des spécialistes pour. Voilà. C'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça va? Je t'ai énervé? Hein? Oui, ça va. Non, je te sens énervé. C'est quoi par rapport au pneu? Détends-toi, Koudou, y'a rien, mon frère. Hein? C'est quoi, c'est les pneus qui te. Les roues? Mais c'est vrai. Je te sens un peu. Non, pense pas à ça, détends-toi. On pense au live. Mais non, je réfléchis à trop de trucs. Hein? Ah merde. C'est quoi le. Là, il est pas énervé, il est. Il est contrarié. Ah, je sais pas. C'est peut-être le fait qu'il puisse pas faire du porno. Après ce nouveau clash avec sa mère, l'adolescent est en crise. Ouais. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole. Ça va, pour se calmer les nerfs. En fait, je sais pourquoi il est triste. Il pense à quoi? C'est parce qu'il a perdu la course contre la Ferrari. Il aurait aimé gagner la course contre la Ferrari. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Ça va, Koudou? Ouais. Détends-toi, y'a rien. C'est des pneus. C'est des pneus. Bah les couilles, ça se remet, tu vois. C'est... Tranquille. Je te sens un peu colérique. Alors, détends-toi, apprends à te canaliser. Une Ferrari à 300 000 euros, je sais pas, c'était quel type de Ferrari tu connais? C'était une récente ou une ancienne? Une ancienne. Ok. Ah putain, en plus elle est ancienne. T'avais tes chances. Dommage. Et Koudou, vu que là on fait passer des messages et etc. Tu vois? Est-ce que tu pourrais faire passer un message, toi? J'ai pas de message à passer. J'ai du mal à suivre les messages. Non, mais là, c'est pas justement. C'est un truc que toi, tu fais pas. Si c'est un truc que toi, tu fais pas, ça va? C'est comme tu veux. Faire quoi comme message? Est-ce qu'il y a un truc qui te tient à cœur? Des petits messages. Ah, les gens qui prennent pas soin de leur appartement,
qui vivent dans la merde, qui dorment toute la journée et qui ne sortent jamais. Tiens. Ah, ça c'est bien. Toi, ça te concerne pas. Vas-y, approche. Je pense que ça peut être pas mal. Beau sujet, oui. Faites une vidéo YouTube où Koudou il conduit un gamos sur un circuit. C'est ton rêve? Conduire une grosse voiture, un gros bolide sur un circuit. Sur un circuit. T'aimerais bien? Vu que t'aimes bien la vitesse. Là, tu pourras te lâcher. Avec un vrai pilote à côté de toi pour t'encadrer. T'aimerais bien? Pas pour l'instant. Pourquoi? Pourquoi t'es mystérieux comme ça? On te l'offre. T'aimerais bien? Ah, on m'appelle. Non, je suis désolé. Ah non. Oui, non, mais je sais. Il est bizarre ce soir, Koudou. Mais c'est les roues? Non, c'est moi qui réfléchis à tout le truc. C'est depuis qu'il a emmené les roues. Mais non. Bah, tu peux nous faire passer le message alors? Pour les mecs comme ça. J'avais un appartement, nettoyez-le tous les jours. Respectez votre appartement. Et restez pas enfermés, sortez, bougez et prenez soin de vous. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre appartement. Ça c'est de la phrase. J'ai bien aimé la phrase à la fin. Putain, c'est quoi ce bruit de gueulement, frère? C'est quoi ce bruit de gueulement? Je sais pas, il y en a un qui like tous les trucs de l'instant, je sais pas. Attendez les gars, si tu mets ton compte en silencieux, frère. Attendez les gars, il y a quelqu'un qui s'amuse. Qu'est-ce qui t'arrive, Koudou? Mets les choses à plat, dis-nous. Je te sens un peu. Il y a rien. Mais tout le monde le voit. On te sent d'un seul coup. Tu penses à quoi? Ah, rien. Bref. Ah, je pense, les gars, je pense que c'est les roues. Ouais, il est bizarre, mais je sais pas, je crois que c'est les roues, les gars. Il a envie de chier. Mais non, s'il avait envie de chier, il serait allé chier, non? Je pense pas que ce soit. Tu vas aller prendre l'air? Ah, il a fermé la clé. Bah voilà, ça tombe bien. Si, seigneur. Oui. Il y a les outils, ils arrivent? Ouais. En attendant. Ouais, t'es sérieux. En attendant, j'ai ouvert ça. C'est le. Vas-y, poste. T'es sérieux, putain. Eh, hey, vas-y, tu commences à casser les couilles. Tiens, veux pas. Non. Il est complètement fou. Non, non, attends, ça file. Mais tu vas te faire mal, arrête. Allez, canalise-toi, frère. Ça file. Safine! Oh, Safine! Ouais. Vas-y! Il a éclaté le poste! Et pourquoi tu réagis comme ça? Tu vas te faire mal au pied! Nous avons atteint la limite. Je crois que nous avons atteint la limite. C'était trop facile, seigneur. Ouais, on allait faire. Je pensais qu'il allait. Ouais. Si, seigneur! Ah, c'est. Il est mort. Il a mis un gros coup de pied dans le pneu, je crois qu'il s'est fait mal. Ah! Faites voir. Ah, c'est pas. Non, c'est un beau pas réparé. Non. Il y a. Non, c'est fini. Tu vois? L'afficheur. T'es sûr? Oui, l'embout il tient plus et la carte graphique elle a sauté. Aïe. Emmène à boire, j'ai soif, ma gueule. Moi aussi. Hein? Moi aussi. Vous voulez quoi, monsieur seigneur? Il y a quoi? Un jus d'orange. Je me suis trompé, j'ai dit Fanta, mais c'est juste Coca. Je veux du jus d'orange. Coca. Jus d'orange. Je veux du jus d'orange. Pressé d'Italie. Hein. Allez. Je veux du jus d'orange. Attends. Oui. Tu l'as pris où? Chez Tran. Voilà. Ok. Non, ça va, il est bon, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que. Moi aussi, jus d'orange. Ça va, mon gars? Ouais. T'as eu quoi, toi?
Coca. Oh, chat. J'ai eu peur. Sérieusement, faut qu'il prenne rendez-vous. Non, mais moi, je lui ai dit, dès que t'as envie de Ken, il faut, tu te branles. T'auras plus envie de Ken. Non, les gars, pas une bonne technique, ça. Parler quoi de tout à l'heure? Hein? Parler encore de ça? Et le s'il te plaît, c'est payant? Ouais, non, parce que j'ai vu les messages. Qu'est-ce que c'est, wesh? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes bizarres, les mecs. Il y a une ambiance. Des ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des malades ou quoi? Ah non, mais ça s'énerve. C'est bien gros. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Oui. À clé. Tenez, les frères. Faut boire. Buvez, faites-moi confiance. Non, mais j'ai senti quelque chose. Faites-moi confiance, il y a quelque chose, non. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Je vous jure. Non. Ça fine, bois-le. Regarde. Même moi, j'en ai dedans, tu le vois. Bois, frère. Tu le vois? Il y a quoi dedans? Bois. Vous avez intérêt à dire que des bonnes choses, c'est une sponsor. C'est une sponsor. Buvez, faites-moi confiance, c'est une sponsor. Je te jure, je dois annoncer une sponsorisation. Bois, s'il te plaît. C'est une boisson avec qui on se fait une sponsor. Dites que c'est bon, bois tout. T'as bu, toi? Bois. Je bois. Bois, tu retournes le verre, tu dis c'est bon, j'ai tout bu. Vas-y, t'inquiète. Celui qui dit que c'est mauvais, il pèse ça. Non, personne dit que c'est mauvais. En tout cas, c'est très bon. Tu me régales. Waouh. Pour de vrai, t'aimes bien? J'adore. C'est excellent. T'en penses quoi? Ouais, c'est bon. Fini, vite, faut qu'on retourne les verres. Dès qu'on a fini, on retourne les verres. Cul sec. C'est bon? On retourne le verre? C'est terminé? Bon. Moi, mon verre, il est plein. Et je sors d'ici. Moi, je reste. Oh! Aïe! Vous venez de boire du laxatif. Tous les deux. Aïe! Et nous sommes enfermés dans cette pièce. Aïe! Effet entre 20 et 30 minutes. Non, effet dans 5 minutes, j'en ai mis 3. Sérieux. Alors ça touche, maintenant ça touche à la santé des personnes. C'est pas la santé. Je te chie. Sérieux. Allez les gars. Si t'as envie de chier, tu chies dessus. Tous ensemble. Comme des soldats, comme des hommes. Moi j'ai un peu bu, je sens. Oh, je sens là, ça calme. Comme des hommes. Des hommes. Vous avez fait caca aujourd'hui les gars? Ouais. Non. Tu dévoiles de fumer une clope? Ah putain! Justement, j'en ai deux. C'est cool. Une clope, elle fumait. Fumer une clope. Bah, des conneries. Alors, on a fermé les toilettes. Je m'en bats les couilles. Elles sont condamnées. Je vais dans ta chambre. Pas grave. Mais déjà, tu vas même pas sortir de cette salle. Déjà. Ouais, désolé. Ah, tiens, tu le sens. T'en as vu? Ouais, j'en ai bu un peu quand même. Quand j'ai bu ça. Je prenais une gorgée, je recrachais dedans. Mais c'est dégueulasse. Ah. Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on nous on fait? Deux. Moi j'ai bu un peu, On fait confiance, on boit, mais vous ne faites pas. C'était pour une semaine. Non, parce que moi cet après-midi sur le live de Ayoub, ils m'ont demandé de faire ça et vu que je l'ai promis, bah, je suis obligé de le faire. En plus, apparemment, la clope ça fait des sabbats. T'en donnais combien? Tu m'as dit quoi? C'est dangereux. Non, ils vous inquiétez pas. Zéro, c'est pour leur faire plaisir. De quoi? Ils avaient envie que ça chie dans le local. Qui? Le chat. Okay. Le chat. C'est eux qui ont... Ouais, c'est eux qui m'ont proposé. Je dis ouais, avec plaisir. Non, mais on a demandé à la pharmacienne, vous inquiétez pas. On n'est pas cons. Ça n'a... Apparemment, il n'y a aucun problème. Oh, elle m'a dit pour qu'il chie vite, mais en 3. Oh. J'ai ok. La tête de moi, mais j'ai envie de péter de fou. Voilà, je vais lâcher une caisse. T'as envie de dire. Parce que là, c'est le début. Excellent. Des idées, bravo, ça fait une merci. Merci. T'as mais toi en plus t'en as pris un peu. Ouais. Vous, tu sens rien là? Bah non, moi la cigarette me donne pas envie de chier quoi, toi. Wesh. Bon les gars, pour l'instant on fait monter un peu des gens. Venez sur Discord. Et là on va commencer. C'est quoi la marque? Mais y a pas de marque, c'est laxatif. T'as ta voiture près de la fenêtre?
Ouais. Mais tu crois que tu vas réussir à chier de la fenêtre? Je m'en bats les couilles. Je te raconte. Je m'en bats les couilles. Allez, on fait le live. C'est ça, sûr. On fait le live. Je rote. On fait le live. Comme ça. Je suis impatient dès que tu auras mal au ventre. Mais c'est normal, c'est normal que ça rote aussi. C'est pas que le cul normalement. Tu peux voter aussi. Tu vas chier sa mère. En plus, vous avez mangé quoi? Un couscous, je crois. Oh, je vous jure que c'est vrai. J'ai mangé couscous. Guettez. Je sais pas si on voit. Regardez la couleur du truc. Je sais pas si on voit. J'ai dit que c'était du jus d'orange pour que ça passe. Et ça a vraiment le goût du orange. Mais c'était quoi dedans, Fanta? Mais y a rien du tout, c'est de l'eau. Mais c'est que de l'eau, les mecs. Y a comme pas. Par contre, y a de la pub, hein. Ouais, y a de la pub, mais c'est un jus d'orange. Ok. Allez, fais monter les gens. Je te jure que j'ai envie de chier. Je te jure que c'est pas une blague. Oui, mais la clé elle est dans ma poche. Vas-y. Pourquoi t'as bu toi aussi? Mais j'ai bu deux gorgées, frère, comment c'est possible? Et eux, ils ont rien. Jure, t'as rien là, tu ressens rien. Juste des petits mal de bite. Des petites mal de bite ou de bide? De bite, de bite. Par contre, toi, le coca. Ah, ça. Ah, je l'ai corsé. Ouais, j'ai corsé, j'ai directement mis dans la bouteille, j'ai mélangé et tout. Ok. Ok les gars, vas-y, on va vous faire monter. Oh, j'ai même pas activé les dents. Non. Donation à l'air. JP. Oh ouais, t'es foutu, quoi? Attends 10 minutes. Je veux pas aller loin. Ouais, t'as rien à foutre. Jojo, tu parles qu'il a 45 ans et ouais, c'est clairement inquiétant d'être à ce stade de crasse. Imaginez juste que des gosses de 25 ans recadrent votre fils de 45 ans. Putain, vous faites pitié. JP. Quoi? Ça, c'était quand ta mère, elle était venue. Ouais, t'as rien à foutre. Je me propose de venir chez JP et m'occuper du ménage et de le satisfaire sexuellement et l'air de l'ordre dans sa vie. Wow. Quoi? Henri, une femme de ménage, pour toi, ce serait pas mal, hein, ouais, chez toi. Yo, l'équipe, comment ça va? Je voulais savoir, c'est quand le retour des histoires avec le druide, le roi et le cotorep? Bon live à vous et bonne soirée. Quand tu vas prendre une femme de ménage, c'est toi. Quoi? Il a envie de chier. Sincèrement, qui a envie de voir Koudou dans un film de cul? Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Désolé, mon beluga, mais c'est la vérité que l'atrocité avec ta tête tordue, je ne gogole. Mais quoi? Que tu prends pour. Je veux pas aller loin. Ouais, bah j'ai rien à foutre. JP, tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Nique ta mère. Je ferme ma gueule, mais je fermerai pas mon cul. Elle a. C'est bien, hein, c'est enfermé. Mais la putain, t'as rien à foutre. Ça va ou quoi, les frères? Juste pour vous dire, je tape à Disney si vous voulez passer un week-end. Allez, on écoute les dons, hein, ils ont pas payé pour gratuitement, si tu veux, je te DM Insta Naruto. JP. Quoi? Je veux pas aller. Bah, tu peux toujours le DM. Nicole, j'ai mis ton cul, Nicole, j'aime ton cul, Nicole, j'aime ton cul, Nicole, j'aime ton cul, j'aime ton cul, Nicole, j'aime ton cul, le aussi grosse cochonne. Je suis content. Je te veux depuis tout à l'heure que je pète. Ah. Bah, si tu lâches un peu et que tu chies dans ton froc, c'est comment? C'est moi. Ok. Fais monter les gens, frère. Mais tu sais pas ce qui se passe dans mon ventre. Ouais. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Ouais. Attends, il y a quand même JP qui a eu un accident avec sa Twingo noire qui donne des conseils de comment faut conduire. Va conduire ta smart de Gella et arrête de conduire ta vieille voiture. Ah, pour moi, ça peut être dangereux, frère. Non, mais tu vois, là. Ouvre. Ça peut être dangereux. Attends, il a dit un demi-sachet. Ouais, il a mis un sachet. Pour de vrai, t'as dit ça? Ouais. On a mis un sachet, deux sachets dans le chat. Ça peut être dangereux, ça fait... JP. Quoi? C'est pas grave. Je veux pas aller loin là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Qui a du caca collé au cul? Toi? C'est grave du fun, moi je veux voir du caca partout. C'est qui nettoie après? Oh you, on s'en bat les couilles, c'est toi qui nettoie après. Non, c'est rien, tranquille les gars. Attends, faut que je baisse le son des dons. C'est pour le divertissement, exactement. Tu sens rien toi dans ton ventre? Toi, tu sens quelque chose dans ton bide? Je me sens mal au bide. Toi, j'ai oublié de mon verre entier. T'as mangé toi aujourd'hui? Ouais. T'as mangé quoi? J'ai mangé une clope. Non. Mais non, mais nous on vient juste de manger un gros couscous. Et steak. Nous on vient de manger un gros couscous.
Sa fine fait les rires. Ça va les forcer à péter et chier. Non mais les gars, vous quoi? C'est une blague, mais je vous jure. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Franchement, Kenny, il a géré RDD Chias à vous. Ah, super drôle, oui, il a géré de ouf. Là, je vous jure que j'ai mal tout là. Sachez que c'est Amadi. Et oui, moi j'ai les intestins fragiles, frère. J'ai fait occlusion et tout, frère. Amadi, ah, bah, oui. Que s'ils le prennent ce soir, vous allez chier jusqu'à demain soir. Quoi? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Avec les lacs, Tchalo, mais moi j'ai vu. Vas-y, ce soir, c'est repas pas de seigneur. Vas-y, fais-le boire pendant 24 heures. Pendant 24 heures, vous allez chier. Oh, ouais. Ça. Un frère, ils vont boire aussi. Frérot, ça fait, s'il te plaît. Ah, mais faut reculer. Je te chie sur la gueule. Arrête, tu pètes la gueule. Ça fait, wesh, s'il te plaît. Mais t'es malade. Fais comme moi. Deux gorgées au moins, comme moi. Regarde, j'ai pas fait beaucoup de gorgées. Regarde. Deux gorgées, regardez, il m'en reste, j'ai fait deux gorgées moi. Finis-le et je finis mon verre. Mais là, voilà, je finis pas. Mais t'es baisé, j'ai mal au ventre, je te jure, j'ai mal au ventre. Oh, mais fais deux gorgées, au moins on est tous un peu dans en la tout merde. Cas, je vous souhaite un bon day off demain. Hein, les frères. C'est parce qu'ils voulaient se venger, ils voulaient un moyen de se venger, genre pour samedi. Mais ah, t'es quand même, t'es d'accord. Ah, moi je suis de leur côté, complet. Ok. Bon, non, demain je dois faire un truc. T'as quoi à faire demain? Ça peut pas durer toute la journée. Si, 24 heures. Viens, je te dis dans vrai. Tu vas chier. Mais moi j'ai plus de gorgées, ça va pas rester. Je sais pas. Je sais pas. Moi je suis pas médecin. Moi je te dis ce qu'elle m'a dit. Un sachet par jour. Moi je te dis. Moi je te dis ce qu'elle m'a dit. Ah. Au moins, on voit le bon côté des choses, je peux maigrir. Ouais, c'est bon. Vas-y, rentre. Ok. Bon, vas-y, je fais monter des gens. Mais sérieux, je sens mon... En fait, c'est quoi? C'est bizarre. Parce que je sens que ça... T'as vu? Elle se remonte. Mais je suis dur, même moi. Mais c'est bizarre, lui. Ils sont séchés, il fait que... Mais moi, vomir. Mais moi aussi, ça remonte aussi. Ouais, je fais mal au bide. Non, mais en plus, tu rigoles, j'ai mal au bide. Non, frère. Frère. La tête de Wam. Wesh. La tête. Ça monte, ça descend. Je sens plein de gaz. Sur mon ventre, il durcit. Wesh, c'est une radio libre, y'a personne qui parle, frère. Faut rester concentré, le live. T'es enculé, toi. Franchement, t'es un enculé. Bah écoutez, il y a deux angles morts, les gars, pour que personne vous voie chier. Quoi? Là-bas et là-bas. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Montre les sachets. Owen, t'as déjà fait une occlusion intestin E et tu viens de boire deux sachets de laxatif. Tu peux faire une péritonite très sévère, frérot. T'as entendu? Ouais. Mais la tête de je suis littéralement en train. J'enchaîne l'épée, frère. Bah attends, moi j'ai fait deux gorgées, moi j'ai pas tout bu. Moi, les gars, j'ai fait deux gorgées. J'ai vraiment fait deux gorgées. C'est rien, deux gorgées. Non. C'est bon. Qui a pété ce toit? Oh. Alors que lui il pète jamais d'habitude. Oh. Tu t'aimes bien, merde. Ça va sentir faux plein de bancs. Je te jure, voilà, ça va. Je pète jamais, tu sais pas ton avis pourquoi? T'as force de recouler, c'est. À ton avis pourquoi, gros, je pète jamais? Je vais me tuer, gros. T'as des crampes. Oh. Ah, tu pues. Wow. Allez, tiens, prenez ça. Hein, vous voulez casser les couilles, prenez ça. Ça va être un bordel, frère. Et ça prend le temps, ça agit au bout de combien de temps? Mais ça commence. Ça travaille. Ça travaille. Ça ici, ça reste là, reste dans la chambre de la caméra. Au moins la bonne chose, on aura tout le ventre nettoyé. Ah ça va les frères, ouais je... rien. Par contre reste pas derrière, on sait jamais. C'est vrai que tu pètes et puis que ça fait... Ok. Il chie de la bouche. Il chie de la bouche. Oh putain. Kipé,
Là, c'est une dinguerie. Quoi? Owen, au pire, va chier et reviens. Il faut que tu restes concentré sur le live pour les pousser à bout. Safine a bien joué le jeu, mais ne deviens pas la victime de ton propre piège. Safine, t'as vu pour le bien du live. Viens, on assume tous deux gorgées comme moi. Au moins, ça arrive une coupette. Tu termines le verre, je termine. Non, mais là, moi, je peux avoir des problèmes. Moi aussi. J'ai le ventre grave. Allez, c'est pas grave, vas-y. Bon, je reste focus. Moi, deux. Mais allez, on fait enculer, je vais pas rentrer dans mon piège. C'était leur piège. Moi, je. Je ne bois pas. Voilà. On m'avait demandé de leur faire ça, j'ai fait ça et en plus, je voulais que je bois, mais je ne buvrai pas. C'est pas ça, moi. Prends pas ça. Moi, j'ai bu que deux gorgées, de toute façon, on m'en bat les couilles. Allez, à la limite. À la limite, je vais juste un peu teps et tout. Je pense pas que. Vas-y. Vas-y, je fais monter des gens. Mais t'as envie de vomir ou quoi? Attends, ouais, tu rigoles, mais. Je te jure, c'est des roues qui roulent. Ça sent le couscous. Ouais, grave. Manger couscous. Mais non, on vient juste de manger un gros plat de couscous. Bah, c'est bien. C'est bien. Vous avez bien mangé. Ok. Vas-y, ferme. Ah, fermière caca, en haut. Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? C'est Yalabac, ça? Oui, mais ce soir, je suis un fermier caca. Ah. Comment vas-tu? Ça va et toi? Faites-vous? Ça va. Ah, les gars, je crois que ça va pas. Ouais, pour l'instant, ça va, exactement. Pour l'instant, ça va. Quoi? Mais les gars, pour ceux qui ont vu, attendez. Ce soir, oui. Ça va chier en très bonne chiasse, l'équipe. T'es dégueulasse, fils de pute. Mais attends, je peux te poser une question? Est-ce que c'est normal qu'on rote? Bah, exactement. C'est normal parce qu'il faut vous mettre debout. Mettez-vous debout, ceux qui ont vu. Et il faut vous sautiller un peu sur vous-même. Comme si tu faisais de la corde à sauter. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Dans tous les cas, ils sont dans la merde. Soit la porte restait fermée, il chie par terre. Mais si t'ouvres, il n'y en aura que un dans les toilettes. Et maintenant, essayez de faire 2-3 squats et vous allez voir que le mal de ventre va partir. Vas-y. Faut sauter et faire 2-3 squats. Ouais, voilà, sautille un peu, fais 2-3 squats et ressautille. Plus bas. Vas-y, essaye toi. Vraiment, ça fait partir la douleur. Les pieds au niveau des épaules, pas, les talons pas vers l'intérieur, voilà, comme ça. Bien droit, descend. Si le fessier touche le mollet, c'est bien. Allez, plus bas. C'est pas comme ça les squats, les gars. C'est bon. Maintenant, les gars, Koudou et JP, mettez-vous en face l'un de l'autre. Tenez-vous par les épaules. Allez-y. Attendez, j'attends de voir. JP, il a dit, je suis déjà mort. Mais c'est bon, il a fait 4 squats. Il tient son cœur, il croit qu'il va mourir. T'as fait 4 squats, frère. Regarde, mettez-vous les mains sur les épaules l'un de l'autre. Tu sais que n'importe quel être humain, quand il fait une activité physique, son cœur, il s'accélère. T'inquiète, panique pas. Voilà, rapprochez-vous un peu. Rapprochez-vous un peu. Allez, embrassez-vous. J'étais mort. Ils étaient proches. Et les gars, en fait, l'effet d'avoir fait des petits sautillements et des squats, ça va accélérer le processus de laxatif. Merci, infirmière. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, même si elle ne va pas durer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous. Ouais, ton bisou, tu peux le garder. Ah ben, tu vas en chier, mon ami. Ok, vas-y, je fais monter. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? C'est bon, enlève. C'est quoi ce bordel? Tiens, regarde, je fais monter qui? Marine Hugo. Tu te rappelles? Non, j'en ai besoin. T'en restes? Allô? 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 Ça va? C'est Marine? Ça va. Oui. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, rapproche-toi, il y a une femme, rapproche-toi. Je me rapproche.
Approche, ah, une femme. Comment vas-tu? Non, non, mais je m'en fous, hein, clairement. Hein. Je veux juste te dire un truc à Koudou. Oui. C'est normal que tu rôtes si tu as mangé juste avant. Oui, bah, j'ai bien compris. Ah bon, ça va alors. Processus, je comprends rien. Non, elle a dit c'est normal que tu rôtes si tu as mangé juste avant. Ah. Arrête, t'as fait mal. Ça fait mal, pour de vrai, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais non, mais tu t'en fous d'eux, Marine. Quoi? Tu t'en fous d'eux? Mais je sais pas pourquoi t'as dit à Koudou de s'avancer, je m'en bats les couilles de Koudou. Mais non, mais moi j'aimerais bien que tu sais, ils ont du mal avec les femmes, etc. Toi t'es une femme, tu peux peut-être leur donner des conseils, vu que tu regardes souvent les lives et tout. Ah, oui, si je veux, oui. T'as quel âge déjà pour commencer, Marine? 26. 26, bah c'est parfait, je pense, pour leur donner des conseils, etc. Mais JP, il sait y faire déjà, hein, c'est pas le problème. Ah ouais, ça. Tu penses? Bah, il est gentil, il y a juste un petit problème d'élocution, mais c'est tout. Et d'hygiène? Non, mais ça pour sa future femme, d'accord, mais moi je m'en bats les couilles. Ok. Et Koudou? Et Koudou, c'est autre chose. Hein. Ah! C'est un peu plus compliqué, il attend des réponses là, il a dit ah, il est choc-barre. Vas-y, développe. Développe, il t'a dit vas-y, développe. Bah, je sais pas, il y a plein de trucs en fait. T'es laid. Quoi, t'as dit? Je crois que t'es juste laid. Oui, je sais que je suis moche. Non, j'ai pas dit ça. Elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Pas de dire ça, mais. Bon, mais pas voilà. Oui, voilà, il a raison, Safine, il a raison, voilà. Ouais. On n'est pas loin. Voilà. T'en penses quoi? Je m'en fous. Tant mieux, putain, ça. Putain, mais arrête! Fais mal. Oh. Aïe! Aïe! Ok. Bon, et si tu dois. Je peux te poser une question? Si là, t'es oui. Célibataire et que tu dois choisir un homme entre JP et Koudou, tu choisis qui? Personne. Mais il reste que deux mecs sur Terre. Non, pas, personne, parce que JP, pour moi, il y a trop d'écart d'âge. Et non, mais c'est pas ça la question. Non, mais aucun des deux, je reste célibataire. Arrête. Mais t'es obligé pour repeupler le monde. Putain, arrêtez! Non, y a pas de. Non! Non! Touche pas ça! Alors tu bois! Ouais, vas-y, je bois. Pour sauver la population! Arrête, je bois, ma testicule, je bois. Tiens, arrêtez! Pour après repeupler le monde du Cotorep, c'est pas la peine. T'as dit quoi? Pour après repeupler le monde de Cotorep, c'est pas la peine. Ah, bon, Ah, tu dis que je suis un Cotorep? Oui, elle vient clairement dire que t'es. Non, je parle pas de toi, JP. Si, la tête, je t'ai dit soit JP, soit Koudou. Je t'ai dit soit JP, non, soit non, Koudou. Non, je parle pas de JP. JP, je l'aime bien, moi. Je parle pas de JP. Merci. Tu l'aimes pas, Koudou? Je préfère JP que Koudou. Non, ça fait mal. Voilà, arrête. Ça fait mal. Tu préfères JP que Koudou? Ok. Pourquoi oui. D'accord. Non, moi, ça va. C'était c'est le ventre. J'ai mal au ventre, là, actuellement. Tu je te donne mon état. Et j'ai des gaz, tu vois, je sens. Et je sens qu'il y a quelque chose au bout, tu vois. Mais je peux pas. Faut pas que je force, quoi. Et toi, tu sais comment, actuellement? Ouais, je prends ta peur. Ouais, frérot, j'ai rien fait. Putain. Ok. Bon, vas-y, à plus, Marine. Oui, ciao. Oh, là, elle a mis les pieds de Koudou en profil, elle a mis. En photo de profil. Non, c'est pas moi, c'est Hugo. Tu vas te faire ban. Ah, ok. Bon, vas-y, y'a pas de soucis. T'as vu que tu joues, toi, aussi. Ah, ouais, mais je me joue sur moi-même. Ah, il m'a tapé, il s'est fait mal. Tu vois? Arrête de te faire mal. Ouais, regarde le school, il y a un mec qui s'appelle Veux en découdre. Putain. Allô. Ouais, allô. Salut, Veux en découdre, ça va ou quoi? Allô. Allô, frère. Ça fait mal. Ouais, je veux en découdre, frérot. Là, y a... Tu crois que ça va te faire un bleu, ça? Oui, ça va te faire un bleu, gros. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Fuck ta gueule, JP, je parle. Eh ben, nique, t'es mort. Waouh. Tu parles. Il t'a insulté, t'es mort. Tu parles. Ferme ta gueule, toi, sale chien. T'es un chien. T'es un chien toi-même, gros. Non, vas-y, écoute-le, il veut te dire quelque chose, vas-y. Ouais, laisse-moi parler. Déjà, vas-y. Je voulais parler de le cas de Safine. Il fait trop le fou, je sais pas quoi, là. Mais ouais. C'est une grosse merde. Ouais. Avant, il était bien, cheveux plaqués, là. Il était bien et tout. Il faisait rager JP. Mais là, c'est une grosse pute, frère. Il t'a dit que t'es une grosse merde et une grosse pute. Ouais, j'avais les cheveux plaqués. Non! Avant, quand il avait les cheveux plaqués, c'était mieux. Il faisait rager JP à fond. Ouais, mais là, tu viens de dire que c'était une grosse merde et une grosse pute.
Ouais, là, quand... ouais, là. 5 BDV. Bah, je compte être pire. Arrête. Là, j'ai arrêté, bon. Dis-moi si ça fait de mal. Non, pas frérot, mal. Tu parles si de pressing constant, je sais pas quoi. Y'a rien. J'ai pas entendu. Il parle de pressing constant et tout, mais on a rien vu, frérot. Mais c'est une dinguerie. Il est jamais content, 4 BDV. Comme ça, 4 BDV. Et c'est tout? C'était pour dire ça? Non, je voulais... Arrête, ça fait mal. Ragez-moi ce... Ce chien-là, ragez-le, frère. Ouais, vas-y, dégage. Ragez-le, piquez-le. Tu veux qu'on le pique? Tu veux qu'on le pique? Frappez-le, crachez-lui au visage. Mais va niquer ta mère, gros. T'es de quel quartier, toi? Quoi, moi, rapport. Mais c'est quoi le rapport? Mais t'es un mec de quartier? Déjà, c'est une mauvaise question. C'est quoi? T'es d'où? T'es de l'Algérie. Question. Quel est le légume le plus célèbre? Attends, attends. Michael Schumacher. Dédicace à Nico Zedlock, s'il vous plaît. Le chat, je vous aime, vous êtes les boss. Déjà, la bonne question que t'aurais dû poser, c'était de quel pays? Il a dit il habite en Algérie, c'est un cousin à toi. Est-ce que t'es kabyle? Non, je suis pas kabyle, moi, je suis pas un chien, moi. Allez, kick-le. Allez, kick. Mais t'es algérien, t'habites là-bas, non? Ouais, j'habite à Tlemcen, si vous connaissez, je sais pas. Ok. Si vous voulez visiter l'Algérie... Non. Non, par nous-mêmes. Oh là, arrête, s'il te plaît, arrête, tu l'as dans l'oreille, oh. Ouais, dans l'oreille, c'est t'abuses bon, dans l'oreille. Fais, je sais pas, quelqu'un, sur quelqu'un d'autre. Allô? Mais il y a toi et lui, c'est bon. Allô? Hein? Allô? Allô? Attends, j'essaie. Ah ouais, mais t'essaie, ça fait mal, gros, ça fait mal. Arrête! Ça va. Ben lui, il est pas là. Allô? Ça va? Oui, bonjour. T'as envie de chier ou pas? Oui, bonjour, allô? 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 Oui, c'est Nicole, Coudou Fiston. Je sais que t'as mal au ventre, c'est normal, ce bâtard de Jackie t'a fisté. Je commence à avoir mal au crâne. C'est Jackie, hein? Je commence à avoir mal au crâne, surtout là. Où? Ah, peux voir? Ici. Là. C'est tout ce que j'avais à dire, cher fiston. Prends soin de tu toi. Tu vas chier de la tête. Fais gaffe à Jackie, ce violeur, il la met bien profonde. Je comprends pourquoi tu as mal, parce que voilà, moi aussi, il m'a fait la même chose. Quoi? Allô? Oui, moi, je comprends la douleur de Coudou, parce que Jackie m'a fait subir le même sort. Bon. C'est qui, ça? Arrête. Non, t'as pas le droit de toucher moi. Arrête. Ça va, Coudou, t'es sûr? Voilà. Ça va, Coudou? Ouais. Putain, je t'entends router, mon frère. Allô? Oui, allô? Ouais? Ça va bien, les gars? Arrête! Ça va et toi? Ah, en fait, ça le concept, c'est ça. C'est le lock. Ça fait mal là! Ça fait mal! Mais je tire là, c'est normal. Tu peux m'en donner encore? Tiens. Ouais, mais souffle pas comme ça, à bout portant, frère! Putain! Je t'ai fait quoi? L'autre, il rote, il me souffle dessus, toi, tu souffles. Désolé. Allô? Ouais. Et du coup, j'aimerais juste te faire un avertissement parce que je trouve l'état de JP un peu alarmant. Voilà, moi, je travaille à l'hôpital. Je suis encore en études, mais voilà, je fais des stages et là, je suis en... Bref. Et attends, je suis dans un service de médecine où il y a des personnes très âgées. Okay. Et j'aimerais dire que je vois des vieux de 65 ans plus en forme que cette merde. La merde, elle t'emmerde. Voilà, c'est t'emmerde. Oh. JP, voyons. Est-ce que tu vois ton état? T'as fait 3 squats, t'étais essoufflé. C'est vraiment plus. Tu penses que c'est normal? Ton état de santé est alarmant, mec. T'as fait un combat, t'as FF round 2, c'est pas normal.
Ouais, bah ça on le sait maintenant. Ça on le sait que son état il est catastrophique. Genre, mais après il veut rien faire pour s'améliorer donc. Ah, c'est vrai. Donc nous on peut rien faire, tu vois. Nous on a fait le maximum, on a fait le maximum. Ah, c'est ça. En fait, je pense qu'il faudrait un programme de remise en forme obligé. Voyez le cochon et la carotte, on lui met une clope, on l'attache et on le fait courir. Je pense pas que ça fonctionne. Il peut pas courir. Prochain combat, Ça, 10 le rounds problème. de 30 secondes. Tu sais que ça peut être pas mal, que des 10 secondes, genre des combats de 10 secondes. Ils font 15 rounds de 10 secondes. 10 secondes, ils se frappent dessus, 1 minute de repos, 10 secondes. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Après, il y a aussi Après, je sais peut-être des pas. combats contre des nains. C'est peut-être abordable pour lui. Et encore. Et encore. Peut-être, peut-être. Ou au Là, ça se pire, il voit. peut Vas-y, peut-être s'inscrire à l'AS, tu poses une le vraie truc du question. collège, là. Un combat contre. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frère? J'essaye des trucs. Non, arrête, arrête. Un combat contre deux nains. T'acceptes ou pas? Deux nains, frère, deux nains, frère. T'as vu comment ils sont, comment la force qu'ils ont, les nains? Mais attends, mais j'ai Beaucoup de force. Mais t'as peur des nains? J'ai pas peur des nains, mais bon, ils ont beaucoup Toi, de un force. combat contre deux nains, t'acceptes? Oui? Oui. Oui? Tu penses que tu gagnes ou pas? Voilà, on dirait que c'est dur à répondre En fait, quand? Ouais, j'ai vu. C'est dur de répondre à une question. Mais c'est pas dur de répondre, j'ai mal au bide. T'as envie de chier? Eh, hey, t'as plus de roue. Ok, bah, lui, les gars, lui, il a envie de chier. T'as Lui, plus de ventre et t'as plus de poste. Parce qu'il est là-bas à jeter ton poste. Mais il a pris quoi comme laxatif? Il a pris du macro-gueule? Non, je sais pas, on m'en a donné un, la dame. Mais t'as dit quoi, toi, quand Pas t'as. la marque. J'ai dit exactement. Bonjour, madame, je vais faire une blague à mes amis, j'ai envie qu'ils chient sa race. C'est tout, et après, moi, donc ça. Ok. T'as pas la marque, Safine? Si, On a montré. J'ai Elle, j'ai pas oublié. fait attention. Normal, c'est un truc à Ouais, en tout C'est un cas, truc à l'eau. laxatif, 20 minutes, ça me paraît être assez court. Hein. Ça peut-être prendre une heure. Peut-être. Et il va faire un beau Et lui caca. là, il est en pleine montée, lui. Oh, lui, c'est une dinguerie. Vous l'entendez, lui, là? Attends, attends, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Regarde. Lève les bras, lève les bras. Et sois le chien un peu. Vas-y, sois un peu. Vas-y, Ah, je m'en ai dit, je veux pas fatiguer. Non, ça va passer, ça va passer Ah, c'est ça. le mal de ventre. C'est ça. Ça va passer le mal de ventre. La pure. Qu'il chope. Non, non. Mais les gars, par contre, j'espère que ça met pas vrai. J'espère que ça met pas du temps. Genre, j'espère que dans la nuit, genre, on va pas avoir envie de chier ou un Si, bail si, comme si, ça. si. Si, elle m'a dit oui. Pendant la nuit, toute la Elle nuit. Essayez M'a la dit, elle m'a dit, stimulation ça anale. La stimulation anale, les gars. Petit doigt dans le cul et ça devrait sortir. Mais qui s'y raconte lui? Qui raconte Putain, des médecins putain, lui? Putain! Non, non, par contre. Arrête de bouger, c'est James Bond. Oh! Oh, il a pris en pleine gueule. Oh, il a pris en pleine gueule. Ça va? Failli avoir l'œil défoncé. Ah ouais? Il a tapé là, Ouais. mais laisse tomber. Il a tapé là, mais laisse Là, il a tomber. failli Genre, avoir l'œil il a failli défoncé. avoir l'œil crevé là. Mais j'ai un problème avec l'œil là. J'ai un truc qui me gêne ici là. Mais il C'est s'est quoi? tapé Ah, fais voir. là! Oh, fais voir, là, t'es dedans, t'as un bouton. Vas-y, enlève tes lunettes. Ça me gêne. Fais voir. Comment ça se là, fait? ici là. Regardez, il a un bouton. Je sais pas c'est Fais quoi. voir. T'as vu? Ah ouais. Attends, fais voir. Oh, vas-y, toi, va chier, chie dans ton pneu, je sais pas, moi, fais un truc! Ah, mais ça va, c'est un bouton blanc, genre, faut que tu l'éclates. Ah, mais qu'on a de l'œil. Ouais. Ici là. Ah, mais déjà, les ongles noirs. Je vais pas Frérot. faire avec les ongles. Ouais, 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 C'est. ouais, ouais, ouais. Évite, évite. Je suis d'accord avec toi. Je suis Zahef. Maintenant, dis-moi pourquoi t'insultes la mère des gens à travers l'écran, mais pas celle de Koudou, quand il est à côté de toi. Pourquoi? Parce que tu te chies C'est bien, c'est bien. Ferme ta gueule, ferme dessus. ta gueule. Voilà. Ferme ta gueule. Moi, je vous dis les termes. Vas-y, tu peux continuer maintenant, le viewer. Ouais, parce que je vois que JP, il m'insulte ma daronne, mais quand Koudou droit dans les yeux, il t'insultait ta pute de mère, tu lui as rien dit, et le pire, c'est que tu lui as serré la main après. Espèce de Regarde-moi. chemette, toi. T'as pas honte? C'est vrai. C'est vrai. Au final, JP, t'es une grosse merde, et Koudou, il a réussi à te rendre agréable, parce que lui aussi, c'est une grosse merde. Et Ouais, vous deux, vous êtes des merdes.
Il avait peur que Koudou tape avec la haine. Tu me frappes à retardement. Je comprends mieux. Parce que maintenant, Koudou, moi, il y a un truc qui m'a énervé aussi, Koudou, la dernière fois, quand le live IRL, la meuf même, t'a donné son Insta. Ah, t'as donné son ouais, Insta mais frère, attends, et t'as dégagé. Frère, il est en train de se chier dessus, le cousin. Ferme ta gueule, j'ai mal au bide, connard. Espèce de bouffon, va. La meuf, t'avais dit quoi à la fin? T'avais dit, ouais, si elle veut que je lui fasse comme Barbara, viens. Donc maintenant, ça va être ça, ton truc. Quand une meuf, elle veut pas de toi, tu vas lui proposer de te battre. Espèce de bouffon, va. Je pense que de ça, je suis dans le cocasse. Oui, il a été un signe d'un cristal. J'ai mal au bide. Avec ta grosse tête d'enclume, là. Alain, on le baise. Ta mère, la reine des chiens, toi, bâtard, t'es mort. Ton gros crâne là. Le prime du prime, c'est que les deux s'énervent. Vraiment. Ta tête de funky pop là, les trucs là. Bon, moi, j'ai tête d'enclume. Tête Aïe, comment ça, t'es une pop, t'es une figurine pop. Tête de figurine pop là. Les ton gars, gros crâne. Ça de chier. Les gars, je m'en pas attendre. Et JP, retiens-toi, je t'ai dit. Mange pas le caca de Koudou. Je sais que c'est ton péché. Mais carrément. Non, ça fait l'arrêt, ça va. Tente ta gueule, JP. Tente ta gueule, bouffon. Mais tu vas me lever à l'envers, fils de pute. T'inquiète. Mais tu vas dans les toilettes de Koudou. Voilà, je mets un front. Ah. Hey, tu mets des patates. Hey, mais pourquoi il y a un problème là, la lumière. Oh. Mettez pas des patates à Koudou là dans la fois, espèce de salope de JP. Va. Alors, tu insultes ta daronne. Et l'autre là avec sa grosse tête d'enclume là. Va niquer ta mère, crâne, la chatte à ta mère, fils de pute. On peut forger des objets sur ton crâne. Je vais forger espèce de gobelin puant. Ah t'as regardé tes pieds de gobelin là. Espèce de troll des montagnes. Troll des montagnes, ta mère reine des putes. On dirait le bébé fœtus dans Berserk là, de Cascade Guts. Ta grosse tête chelou là. Ah, il est en train de te terminer, frère. Ouais, les bruits, ça abuse. Regarde, on dirait que t'es mort, JP. Là. Allez, vas-y, c'est bah, quoi, ça y est, chie un bon coup, arrête de faire chier tout le monde. Mais ferme ta gueule, toi. Mais va chier. Va ta chier, mec. Frère, je t'ai fait des bêtes de toilette. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de dossier? Tu veux un dossier? Je vais te faire un dossier. JP, mets-toi à quatre pattes et mange le caca. Grosse merde. Frère, je suis ingénieur. Va chier. Va chier. Tiens, je vais te faire un dossier, frère. T'es pas prêt. Oh là là là. Mais ça descend aussi ou ça a fait que monter? Dis la vérité. C'est rien, j'ai des mal de bide. Comprends, tu sais que j'ai des mal de bide. Ta gueule, Koudou, t'as dit. Ta gueule. Ta gueule, dis que ta mère, toi, la chute à ta mère, la reine des putes. Voilà, viens, gâche les toi. Ta gueule. Ta famille, ils ont honte de toi. Personne t'aime dans ta famille, trou du cul. Regardez les gars, je suis pas un vrai frère. La tête. J'ai fait des bêtes de toilette. La tête de homme, là, tu peux chier tranquille, frère. T'inquiète, on regarde pas, je mets la main devant la caméra. Tu peux chier à l'aise. Eh, hey, t'as pas chié juste pour le faire, juste pour l'emmerder de poser une pêche. Là, ici. La porte elle est fermée, c'est-à-dire qu'on est bloqué. Non, mais imagine, regarde, imagine une seule seconde. Bah, écoute, je toujours... Imagine, écoute, Koudou, viens. Imagine une seule seconde, tu te mets dans le coin, tu fais un gros caca, la porte elle est fermée, personne peut sortir. Là, t'en tues tout le monde. C'est vrai. Attends. Quoi? Et JP, j'aime bien comment t'es actif dans le live. Hein. Trou du cul. Hein. Du coup, tu voulais. T'as quelque chose d'autre à dire, frérot? Ça y est, là, je me suis bien relâché. Viens. Là, je suis enfin en paix. En tout cas, baisse ta mère, JP. Et Joël, c'est à cause de toi que ton fils il est comme ça. Sache-le. J'espère que t'entends, Joël. Voilà. À cause de toi que ton fils, c'est une putain de merde. Écoute, wow. Tout on te baise, bouffon. Waouh. Allez, bisous l'équipe. Et allez, bisous. Et je vous baise, les deux gobelins. Assieds-toi juste là, juste pour le plaisir. S'il te plaît, teste mes toilettes.
Pour de vrai. Il y a des bruits bizarres, frère. Fais-moi plaisir, s'il te plaît, teste-les. Genre, juste tu t'assois dessus, je te montre. Chipa, juste tu t'assois dessus. Ah, bien sûr, s'il te plaît. Non, mais mets-toi bien en position caca, genre. Attends, mets-toi voir là, position caca, tu t'approches un peu et fais comme si tu faisais caca. Oh putain, j'ai. Putain. Va me relever, pote. Mais c'est quoi qui sort de ton corps, frère? Non, tu t'es pas fait caca dessus. Je me suis pas chié dessus, connard. JP! Quoi? Je veux pas les mourir! Ouais, bah j'en ai rien à foutre. SU. Il ne faut pas trop qu'il se retienne. Il risque de faire une occlusion intestin. Pire, le caca peut remonter et sortir par la bouche. Attends, je fous-tu là. Si t'as envie de larguer, la vérité, mais prends les toilettes, mets-les dans le coin. Si t'as une mine, faut que tu mines. Écoute, regarde. La porte, elle est fermée. Tu peux pas sortir pour faire caca. Alors, je t'explique les. Non, je t'explique les avantages à faire caca ici. Si t'es dans le coin, personne te voit, je peux pas te montrer sinon on se fait ban. Ça veut dire. En plus de ça, ce fils de pute qui a pas bu, eh ben il est dans la merde parce que ça va puer la merde, il va rester bloqué. Et je m'en fous. Voir cette merde rester bloquée là où il y a un caca et Ayoub nettoyer à la fin. Alors là, mon gars, c'est. Les gars, je vous ai dit. Il y a que des points positifs. En fait, je pense que c'est parce que lui, il a bu dans du coca. Et eux, c'est dans de l'eau. Je pense que c'est pour ça. Par contre, chie pas par la fenêtre. Mais vous, ça va vous arriver, mais peut-être plus tard. Chie pas par la fenêtre. Mais lui, c'est grave plus rapide, wesh. Fils de pute. Non, moi, je veux juste que. Arrête ça, fille de putain de merde. Ah, pardon, c'est bon, j'arrête. C'est déjà plus sur ton nom, t'en mets de chier. Ouais, je fais monter des gens, là. C'est à ça. Le trou de balle en feu de JP. Waouh. Allô? Eh, t'es sûr que t'es vivant? Allô? Au calme, frère. Arrêtez avec. Non, mais oh, il a pété! Voilà, il a pété! Voilà, il a pété! Il a pété! Il a pété! Je l'ai entendu! Ferme ta gueule! Ah, mais en fait, tu fais semblant, t'as envie de chier! Gros porc, ta gueule! La tête de moi! Ferme ta gueule! Pourquoi tu fais semblant? La tête de moi! T'as envie de chier, Dieu! T'as envie de chier! T'as dit quoi, frérot? Ouais, c'était pour dire. JP, tu peux fourrer ton nez dans le cul de Koudou, s'il te plaît, pour que tu fasses chier! Ferme ta gueule! Arrêtez tous les deux! Ah, sur ton nez là. C'est bon, ça fait mal à mort, vous fils de pute. Système digestif. Frappez-le là. Ouvre la fenêtre, ça donne encore plus envie de chier. Bien sûr. Non, mais ça fait pas mal ça. Ça fait pas mal, le mien il fait pas mal, arrête de mentir. Comparé au sien. Frérot, tu peux pas me dire, regarde. Carrément, je l'ai vu sur toi. Les gars, on est en live et tout, mais il y a toujours une voiture sur les jambes dehors. Regarde, la tête de l'homme, les miens ils partent vite. T'as vu? Ça t'a pas touché, arrête de mentir. Ouais, du coup, tu disais. Non, mais je disais juste que JP devait mettre son nez dans le cul à Koudou. Ça fait mal à mort. Oui, bien sûr. Il dit à JP, c'est gars, j'ai envoyé. Ça part même pas vite, carrément. Mais bien sûr. Il est comme ça, un gros mytho. Il t'a arraché la gorge comme s'il avait mis un truc de fou. On dirait que c'est un truc de fou. Arrête de mentir, ça fait pas mal. Son gros crâne. T'as dit quoi? Koudou, il a un crâne, frérot. On dirait Freezer. Chi, ça va te faire du bien. Et JP, régale-toi, frérot. Régale-toi, JP. On sait que t'aimes le khara. Tu peux pas m'attaquer, tu vas te chier dessus. Non, est-ce que tu sens que t'es à la limite? Non. Ok, bon, ça va. Chi, ça va te faire du bien, t'inquiète. Ça va régaler JP. Chi. Ouais, t'inquiète. Bon, du coup, frérot, c'est tout? Ouais, juste. Ciao. Voilà. Ah mais attends, premier degré, parce que si la police elle passe et elle trouve une voiture comme ça, ils appellent la fourrière. Ah bah force, tu crois pas que tu vas sortir pour aller le remettre. Ça y est frère, tu restes ici jusqu'à la fin du live. Mais j'en ai strictement rien à prendre. Ah oui, mais c'est sa voiture. C'est pas mon véhicule. Moi je reste là. C'est pas le mien non plus. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais bah j'ai rien à foutre. Oh Koudou. Moi je viens de me branler là, je viens de penser à ta grosse mère la pute, putain elle est vraiment trop bonne cette grosse pute. Je viens de me branler, je viens de penser à ta grosse daronne, je sais pas quoi. Ouais c'est vrai, venez on fait une chaise musicale. Non viens on fait une toilette musicale. Allez j'ai envie de tester mes toilettes. Non vas-y c'est trop nul, une chaise musicale. Vous jouez? Oh moi j'ai un autre jeu, viens on se lance la roue.
Regardez comme ils sont pas mis. Un chiotte musical. Celui qui gagne la chaise musicale, il a le droit d'aller aux toilettes. Viens, on fait un jeu de la claque. Imagine, lui, il met une claque à lui et les deux, ils chient en même temps. Mais lui, il a mal à la tête. Non, non, non. J'ai envie de chier, ça, mec. Bah attends, mais il faut... Oh. Wesh. Wesh. Frère, la vérité, ils sont là. La vérité. Je vois que t'es en pleine descente. Gros. La tienne du monde. C'est bon, Koudou, ça va passer. Je veux pas les mots là. Ouais, d'accord, rien à foutre. Non. Sur la vie de ma mère, les deux cotorets peuvent vous être affreux. Non, allez, calme-toi. Oh là, la fenêtre, c'est un boost. Ouvre la porte, miskin. Non, non, c'est le but, les gars. C'est, il doit tenir. C'est ma blague et je vais aller jusqu'au bout. Il doit tenir, il pas doit grave tenir. Si vous me détestez. Moi, j'ai bien rigolé. Rentre dans le champ. Marche au fond. Marche plus vers là-bas. Te mets pas vers la vitre parce qu'apparemment, plus ouais. T'es dans le froid, plus ça te donne envie de chier. Sur une échelle de 1 à 10, t'as envie de chier à combien? Koudou, sur une échelle de 1 à 10, t'as envie de chier à combien? Pour l'instant, vous savez quoi? Non, ça va. Vous savez quoi? On coupe pas le live parce qu'on a pas un kishi. Non. J'ai mal au cul. Mais moi, c'est de la triche parce que j'ai un peu envie de chier depuis le début du live, je te mens pas. C'était toi? Ma montre. Oh. Toto? Oh. C'est dégueu, je sens qu'il y en a un qui va chier pour de vrai là. La retourne va tourner. Oh, tu voulais voir chier quelqu'un? Moi, je te dis rien parce que. Non, pour de vrai. Non, non, je suis carrément, je suis déplacé pour laisser les mains là-bas. Allô? Allô? Quoi, je dis où t'es tombé? Hein? On dirait, hein. Allô? Allô? Ouais. C'est qui est tombé? Ouais, allô? Ouais, c'est qui est tombé? Faut vous dire que JP, on t'adore. Et Koudou, nique bien ta mère la pute. Oh! C'est mon frère. T'as dit merci? Et toi, tu dis merci? De quoi? Il a dit, nique bien ta mère la pute, Koudou, toi tu dis merci. Et ça finit Owen. Continuez comme ça, vous êtes les boss. Merci Big Brother. Merci. JP, on t'aime tous, même si t'as perdu, c'est pas grave. Merci. Koudou va chier. Koudou va chier. Ah, pour le coup, là, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Je chie sur la chute, t'as vu. Allo? Oh la tête de Owen. Non, ça c'était pas un peu comme les autres. T'as tout chier dessus, toi. J'ai un peu gras et un peu... J'ai pas l'habitude, je vous jure, j'ai pas l'habitude de faire ce jeu de paix. Ce genre de paix. J'aime pas trop ça. J'aime... La cigarette électronique? Non. Si, tirer, ça donne envie de chier. Ça donne envie de chier. Ouais. T'es sûr ça donne envie de chier? Sûr. Non, je veux la confirmation du chat. Ça donne envie de chier? Sûr que c'est pour le bas, c'est pas pour le haut? Non, c'est fait pour chier, frère. Oh. Ouais, ça donne envie de chier. Je vais la chercher. Mal formé. Il y a une surprise pour toi, apparemment. Surprise, JP. Allô? Attention, les foireux, Owen. La tête doit me sacrer. Allô, les gars. C'est ça le foireux. À tout moment, j'en lâche un. C'est fou. C'est que je. Vous m'entendez les gars ou pas? C'est qui ça? Ouais, c'est sûr. Oh, fais encore une fois ça. Quoi? Je te nique ta mère la pute. De quoi? T'as vu quand t'as parlé? Il y a de l'air qui est sorti de la bouche. Comme un... T'as soufflé. Bah, je parle. Et au moment où j'ai respiré avec la bouche, ouais. J'ai pris... Tu viens de chier? Je suis pété. Non, je suis dégoûté de ce qui vient de m'arriver les gars, j'ai envie de mourir. Oh la tête d'homme, les gars, je viens d'aspirer son air. Il a soufflé et j'ai senti le
Et en même temps, je prenais ma respiration. Et je l'ai senti en moi rentrer. Bah. Là, j'ai envie de pleurer. Force à toi, Owen. Franchement, ça suffit pas. Ça, on dirait qu'il va tirer un coup franc, le poteau derrière. C'est Cristiano Ronaldo, quoi. Il se prépare à tirer un coup franc. Allô? Ouais, les gars, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, super, super. JP, t'as pas trop mal depuis tout à l'heure? Tu te prends quand même des sacrés. Attends, tout doucement. Ah ouais, attendez. Attends, je te montre, vas-y, c'est bon, vas-y. C'est good? Comme ça, c'est good, les gars? Ouais. Ouais. Ouais, du coup, JP, t'as pas trop mal depuis tout à l'heure? Tu te prends des trucs dans la tête, là, c'est abusé. Bah, les élastiques de. Ça fait un peu mal au début et après, ça va. Ah ouais, ouais, tout s'habitue. Eh, tu devrais pas te laisser faire, hein, c'est franchement un peu trop. Mais bref, les gars, vous savez que dans. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace à passer si c'est possible, les gars. Rentre dans le champ, là, il y a de la Juste, je vous dis. J'ai un gars dans ma classe, je suis en terminale. C'est un cotorep, les gars. De fou. Vraiment. Et il parle de vous de temps en temps. Ouais. Et je pense qu'il aimerait bien une petite dédicace. Est-ce que vous pouvez faire une petite dédicace pour Thibaut Dupuis, les gars? C'est un cotorep de dingue. Il s'appelle comment? Thibaut Dupuis. Thibaut Dupuis, grosse dédicace à toi, mon ref. Moi, Thibaut Dupuis, dédicace à toi, j'espère que tu vas bien, bisous à toi. Nickel, voilà. Merci, merci beaucoup. Tu peux faire Thibaut Dupuis? Ah ouais, ouais, vas-y. Dédicace à toi, bisous à toi, force à toi. Vas-y. Oh putain, les gars, vous êtes top, merci. Bah, il sera content au moins. C'est un cotorep, mais de malade. Vraiment, tout le monde lui dit. Vraiment, tout le lycée lui dit tout le temps. Et aussi, les gars, petite JB. Ouais, mais faut pas se moquer de lui non plus. Quoi? De quoi? Non, non, mais vous voyez, vous savez, tu vois, il est souvent comparé un peu à Kudu, tu vois. Ouais, bref. Ça va, les gens sont gentils avec lui. Ouais, mais en même temps, il casse un peu la tête, vous voyez, un peu. Ouais, mais faut pas que, ouais. Faut pas que ça. Ouais, voilà, t'as capté quoi. Oh, non, pas harcèlement, les gars, y'a pas harcèlement. C'est juste un peu. Quoi? Bon, JB. Là, je viens de lâcher j'ai un gros. J'ai une petite surprise pour toi. Vas-y mon pote, à plus. Donc, vas-y. Ciao. C'est pas un jeu, Koutou. Koutou, ça va? J'ai l'impression que t'as envie de chier, mon frère. C'est bizarre. C'est bizarre. Quoi? J'ai vraiment l'impression que t'as envie de chier. Ouais, bah t'as rien à foutre. Il voit que tu regardes les tournées, c'est tout comme si c'était une option. Oh! Tu viens de chier. T'as pété. Jure que tu t'es pas chié dessus, là. Oh, allô. Une coudance, ouais. C'est le. Est-ce qu'on peut faire une. Allô les gars. Allô. Attends deux secondes dans le chat, je crois que c'est l'heure. En deux on fait un son de taré. Le G et le K vient pas comparer. Le son c'est des faits, qu'est-ce qui paraît. On sort le projet, on disparaît. Faut que gère la descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh oh. Mais c'est embêtant. Là j'suis trop indécis, j'ai le nuage en oh oh. La descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh oh. Mais c'est embêtant. Là j'suis trop indécis, j'ai le nuage en oh oh. J'arrive en Batman, JP veut pas de ça. En Mario et Luigi, JP veut pas de ça. Même Aquaman, JP veut pas de ça. Moustachio, JP veut pas de ça. En équerre sur PP, JBBP gay pas comme JP. Petite clope coca chérie, les ongles noircis par la cité. Les corps qu'on assassine en solo, je les tartine, la grinta comme Safine. J'suis en tout droit, c'est parti. Numéro uno sur kick même le samedi. Tu veux des rêves en voilà. FC Naruto dans les barrages. J'ai la recette pour vous faire des ravages. Gros big up aux voisins pour les tapages. Faut que gère la descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh oh. Mais c'est embêtant. Là j'suis trop indécis, j'ai le nuage en oh oh. La descente. J'suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh. Gros pied sale. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Attends, je mets une musique de suspense. Vas-y. Attends. Il va le faire? Ta gueule. Moi je fais roulement de tambour. Viens faire roulement de tambour avec moi toi. Anime. Viens, 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 viens. Attends. Chut. Tu veux pas les mots là? Ouais, d'accord, rien à foutre. Dream Boy, la grosse Inpi. Vas-y, couteau. Vas-y, t'as. Si. Oh putain. Oh! Oh! Ah ah.
bouquet. Mais je sais quoi, mais je pars, mais je pars. Oh putain. Ouais, ça me fait. Abonne-toi. Ichi. Ouais mais attends je le cache. Je cache bien comme ça on voit rien. Il est en train de chier un monstre. Je crois qu'il est en train de... Il est enceinte en fait. C'est le couscous, c'est le couscous. Il est en train d'accoucher. Tu peux voir. On voit rien. On voit rien, t'es sûr? Ouais. Wesh. Oh le... Wesh l'odeur wesh. C'est dingue, ça sent ton cul ça. Wouah. Ouais, tu pues du cul. Ouais. Porte ouverte, au calme. Attends, je crois qu'il me faut une séquence pour le vlog du moment ici. Je suis désolé tout pour le contenu. Attends, j'y vais. Anime. Vite fait, je vais filmer. T'as pas envie de chier toi? Non. T'es sûr? Pas du tout. J'adore ma soirée, je kiffe. Franchement, t'es un homme et je pense que t'as vu tous ces moments d'inactivité et tout. Parce que quand même, t'es pas actif, tu peux l'avouer. De quoi? Tu peux avouer que genre tu fais pas grand chose en live. Arrête de me dire de quoi! Je te demande de. Ouais! Mais pas, je suis en train de te le dire! Tu peux avouer que genre t'es pas trop actif. Pour l'instant, non. Voilà, et moi je pense que le seul moyen de te pardonner. Et on oublie tout. On va niquer ta mère. Voilà, tu vas ni bien niquer ta mère. Déjà, premièrement, t'en as pas vu. Tu vas profiter du samedi et du dimanche. Attends, toi aussi, tu vas grave profiter chez toi. Frère, ouais, moi j'ai écoute, bu. Écoute. Ah, regarde, la commis vont te le dire. Si tu le bois, c'est fini. Tu peux être inactif pendant un mois si tu veux. Tiens. Ouais, hors de question que je bois. Bois. Voilà, je vais pas boire, moi. Quoi, je vais me pranker à moi-même. Non. Non, ça va, merci. J'ai pas envie. Allez, tout le monde te parle. Regarde, bois, on te pardonne. Bois, t'inquiète, bois. Ah non. Bois. Vas-y, deux go. Allez, viens, on fait chacun. Toi, tu fais la moitié, moi, je fais la moitié. De quoi? C'est une discussion entre adultes. Mais entre. T'as dit que t'avais pas bu, que t'avais craché dedans. Mais t'es, vous êtes des parents, vous êtes des gros fils de pute. Non, c'est pas vrai, j'ai juste fait ça, genre. T'es que vous êtes des gros fils de pute. Hein. Ouais. Il y a écrit en gros sur la boîte, agis en 24 heures. Vous êtes des gros fils de pute. Je sais. C'est-à-dire que là, dans 24 heures. On va faire que chier. Pendant 24 heures. Agis en 24 heures. Ça veut dire pendant. Que le temps, là, ça moi, m'a dit, bien. Moi, m'a dit pendant. Ouais, pendant 24 heures. Ah, bah putain. Je faisais ça, regarde. Et j'ai pas craché. Ça a pas bon goût. Je sais pas comment vous avez fait pour boire ça, les gars. Allez, tu fais la moitié, je fais la moitié. Bien, moi, pas... On se serre la main comme des hommes. C'est fou, quoi. On se serre la main comme ouais, des hommes. Que j'en bois bien deuxième. On se serre la main comme des hommes. C'est vrai, il chira pas. Il chira pas. Je crois que ça met du temps à faire effet. Force pour demain. Non, par contre, c'est abusé ça. Mmh. Et je m'en bats les couilles, je vais tout vlogger, je vais tout filmer, je vais faire des snaps. Si vraiment ça te donne envie de chier. JP. JP, il a bu son verre entier déjà. Mmh. J'espère que tu vas chier toute. Tu me tiens la tête, je. Merci. Quoi? T'as mal? T'es en train de chier là. T'as mal? J'ai mal, si, hein. Mais il n'existe pas un vrai truc. Moi je vais demander de le en instantané, les gars. Je lui ai dit donne-moi le plus fort, je veux qu'il chie sa mère. Mais est-ce que ça existe après. Mais le plus fort est pas fin, c'est sous ordonnance. Eh ben, elle m'a donné ce que j'avais le droit d'avoir. Moi je veux qu'on prenne toujours même une pilule, on la prend, on se pose ici, des hommes. Ouais, des hommes, t'es fou toi, quoi. Toi, t'as problème de. D'intestin. Ouais, mais je demande d'abord au médecin, c'est pas photo, quoi.
Des laxatifs immédiats, en comprimé. C'est ce qu'elle m'a proposé. Quoi? Les vrais, c'est... Elle m'a dit, soit je les ai en gélule, soit en poudre, soit par le cul. Et je savais pas, j'aurais bien pris par le cul, mais je savais pas comment te le mettre dans le cul. C'est, ah ouais, le seul, c'est le seul truc. Ça, c'est un peu... Un truc, ouais, je connais. C'est... Jus de pruneau, c'est pas dangereux et c'est radical. Non, mais ça fait pas instantané, les gars. C'est impossible. Du colax et microlax. Arrêtez de spam, je vais le faire. Il a des yeux, lui aussi. Il est encore en train de chier. Je sais pas. Prochaine fois, Viagra, c'est pas bon pour le cœur. Ah oui, c'est pour ça que je voulais pas le faire. J'arrivais plein à me souvenir. Par contre, en vrai dire, ça marche bien. Genre, tout ce qui est paix, tout ce qui est travail, mais franchement, ça stimule. Ça stimule. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de péter et tout. GHB, on verra même pas la différence. Ils sont malades. GHB, t'es fou toi quoi. Le mec, il va mettre du GHB, ouais, il va en boire et... Il est sous GHB H24 ce mec. Il va être sous GHB, il va rien savoir de la soirée. Il va dire, il sait même pas que je parle de lui en plus. Il sait même pas que je parle de lui, complètement con. Il a toujours pas capté. Il dit que c'est vrai, on t'entend jamais péter. Et là on entend des pés. Ah là tu... Ils sont trop les pés. Sauve-toi. 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 Moi je pense... Sauve-toi. Même TP ils sont en... Je pense que ça arrivera pas en live, mais que vous allez avoir un sacré vlog rempli de caca. Arrête de mentir. Je pense que demain vous allez... Demain vous allez chier de ouf. Demain, ils vont me demander, ouais, JP, tu fais quoi? Chaussette, papa! Non, par contre, je vous le dis cash, moi, les gars. Si ça marche vraiment, je vous le dis direct. Je ferai une vidéo. T'as juré, frère, la tête d'homme, t'as juré. Oh! Je suis obligé. Quoi? Merci. Bah, je. T'inquiète. Pourquoi? J'anticipe. T'as juré? Bah, écoute, je t'ai tiré le truc, t'as juré. Bah, je dis quoi? Bah. T'as juré, frère. Wesh, mais t'es sûr que t'en as pas pris, toi? Je suis comme d'hab. Je vois que t'as la maladie de Crohn, arrête, hein? Je suis comme d'un. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas la maladie de Crohn, frère. J'avais juste eu un problème aux intestins à cause de l'appendicite. Ouais, mais il y a la prodigia. Juré, ça fait. Il y a la prodigia que ça fait rien du tout. Une goutte dans ma bouche. Ça fait rien du tout. Mais il y a la prodigia. Moi j'ai dit. C'est Mehdi after kick, les gars. Moi j'ai dit. Je mettrai une goutte dans ma bouche que si lui il boit la moitié. S'il boit pas la moitié, je ne bois pas. Voilà, vous avez qu'à le chauffer à lui de boire. Attendez, je vous laisse à Mehdi. Il est là, Mehdi, non? Oh, Mehdi, c'est toi que tu lances. Tafine fait le boire. Moi, j'ai proposé. Soit c'est un combattant, demain, on chie sa race, toi et moi, à la maison. Je viens et tout, je chie avec toi, on se partage la chiotte. Les chiottes. Ça y est, sois un homme, frère, c'est bon, une fois dans ta vie, c'est bon, sois un homme. T'as pas fait l'homme sur le ring, fais-le maintenant, vas-y, frère. Et moi, après, je bois avec toi. Et nique sa mère, on chie toute la journée. Il y a deux rires, hein. Celui-là, c'est quoi? C'est... Non, ouais. C'est celui de... C'est celui de qui, ça? De Wen. Ouais. C'est qui boit celui de Wen? Tu bois un verre ou tu bois... Je bois un verre. Prends ton verre dans les mains. T'as pas craché dedans? J'en ai de la vie, mais okay. Je crache. C'était sûr, t'as pas remis dans ta bouche et ressorti? Ah, l'eau toute sale, je suis trop tout nettoyé. L'eau toute sale, viens là, viens là. Mais viens non, là, mais là. Non, mais non. Quoi? Il allait boire. Non. C'est quoi ça? Regarde l'eau. C'est quoi cette odeur de merde? C'est l'eau avec laquelle ils ont nettoyé le local hier, toute la peinture, toute la merde de l'école. Ça pue. Ils ont tout niqué. Il allait boire. Mais pourquoi tu... Mais même s'il boit, tu crois quoi? Qu'il va se chier instantanément dessus, frère? Oui, mais il va passer une mauvaise journée. Nous, bon, on s'en bat les couilles, quoi qu'il arrive. Il a bu un verre entier. Mais va... nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il chie pendant 3 jours. Mais ça y est, il va chier, frère. Mais tu crois que tu peux plus chier quand t'as plus rien à chier, frère? Si, si. Mais et tu chies quoi? Tu chies ce que tu vas manger après. Je vais l'appeler.
On veut du liquide. C'est vrai, t'allais boire? Hein? Et ouais, il allait boire, mais le verre il s'est renversé, il y a plus. Non? Il a dit ben non, c'est fou. Mais si, il allait boire. C'est un menteur. Il dit si t'allais boire. Il a dit non, c'est fou, j'ai mal au ventre à mort. Vas-y, viens. Ah, ton t-shirt il était blanc, regarde. Je partage mon verre, je suis un homme bien. Tu sais que c'est de l'eau sale, on va te laver. Et toi, t'allais boire, mais j'ai juré, jamais de la vie. J'allais tout mettre dans ma gueule de cheval et j'allais tout recracher. Il a dit s'en bat les couilles, il allait pas boire. T'allais boire ou pas? Non, j'allais pas le boire, t'es fou quoi. Mais pourquoi tu m'as dit que t'allais le boire? Tout le monde a dit que on allait boire toi et moi. Regardez la couleur de l'eau. Je vais me laver là. Oh, le coteau te fait des douches. Ouais. Il s'enferme maintenant. Il s'enferme? Mais. T'es pas là ce soir, toi. T'es chez ta grand-mère. Les gars, regardez ce qu'il a sur l'épaule. Non, je suis là. Les gars, regardez ce qu'il a sur l'épaule là-bas. Non, je suis là. Il s'est réveillé avec ça. Et je lui dis. Montre-leur. Je lui dis qu'il s'est fait taper par un genou. Montre-leur, dis-leur s'ils connaissent. Regardez, les gars. De toute façon, je l'ai mis dans le prochain vlog qui sort. Non, ici. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas du caca, c'est un bleu. Au début, il y avait trois griffes. Il a dit au début, il y avait trois griffes et après, c'est devenu un bleu. Moi, j'ai dit que c'était un genou. Zéro douleur. Franchement, ça se peut. Pas mal. Il a dit il a zéro douleur, pas mal. J'ai pas mal, rien du tout. Et c'était le jour d'un day off, ça. Ouais. Day off, il part dormir, il se réveille. Il se réveille avec trois griffes et il a ça. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Je crois qu'il faut régler le problème des dents audio. Il bug. Contracture musculaire. Non, bah non. J'aurais mal les contractures musculaires. T'as zéro douleur. Zéro douleur. Zéro douleur, les gars. Appuyez, regarde. Dans le chat, qui vote pour une Rokia? Ouais, t'es quand il s'est fait ça avec une escorte? Moi, je reste pas ici tant qu'il fait pas un Rokia. J'ai pas été. Ça fait deux mois que j'ai pas été. Ça fait deux mois, il est pas le. Oh. J'ai froid à mort, là. Ça pue la merde. J'ai froid à mort. On a voté. JP, on a voté. JP! On va lui faire une Rokia. Les gars, d'ailleurs, le tableau, je l'ai toujours pas fait gagner. Il est toujours là, vous inquiétez pas, l'œuvre d'art. La rage du Nord. Incroyable. Et les genoux aiment les maisons sales. La rage du Nord, les gars. Il est toujours là. Du eine Arbeit. Je reconnais ça, c'est 39-45. C'est quoi? Pistigels! Wesh! Ça sort d'où? Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe! Mais il est là, parmi nous! Le genou, il est allemand? Mais je viens de l'Anse! C'est une dinguerie! C'est abusé! Il y a un mec qui l'a dit, manifeste-toi le genou du H! Waouh! Il kiffe JP. Imagine, il possède JP. Incroyable! Est-ce que ça serait pas le comeback? Comment ça s'appelle? C'est quoi que je voulais dire? Ah ouais. C'est possible. Non. Les gars, pas de bêtises. Bon, les gars! Quand il parlait, au même moment, ça parlait. Waouh. Bon, les gars! On vous fait un bisou. Dans le chat, il m'a fait rire. Nique ta mère, toi, Owen. Ok, y'a pas de soucis. Très bien, César. Y'a pas de soucis. Là, sur la chaîne de Mehdi, les gars, After Kick. Cut, je me cut. Pas mal, celle-là. Vous inquiétez pas, il y a une bonne semaine là qui arrive. Promis. Ça finit à quand le retour des pépés? Allez, venez ce soir, venez, on fait des pépés. Normalement, question. Ah ouais, tu veux faire des pépés trop long? Ouais,
Comme ça, je retrouve mon niveau, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Normalement, une question pour un golement, les gars, dans la semaine. Voilà, le retour, ça fait longtemps en plus, ça fait un bail. Hein. Ça va faire 2 mois, je crois, qu'on n'a pas fait question pour un golement, les mecs. Ouais, Gwen, ça va, les gars, la jambe, ça va. L'after kick chez Mehdi, les gars. Non, Pépé League of Legends. Vas-y, les gars. Restez à l'affût. Ça fait 2 mois que tu dis cette semaine. C'est la bonne semaine, vous inquiétez pas. C'est la bonne semaine. Je répète, c'est la bonne semaine. Vas-y, gros bisous. Sur Pépé. Sur Pépé Chicken. Super drôle. Vas-y, dis ciao, toi. Non, je stream pas. Ce sera sur le serveur... MC. Je reconnais Couscous de chez Couscous. JPAV en rêve, c'était des nouvelles, je suis con. T'auras Emily seulement quand t'auras pété le midi. Si tu pètes pas le midi, c'est Mario qui te cassera le dos. Vu ton expérience, on ne pense pas que tu seras bon au lit. JP, c'est un vrai bon Valero. On a tous vu qu'il avait l'écran. Mais bon, c'est un peu compliqué. Il lui reste que 4 chicos.